Suite à mes études de physico-chimie, je suis entrée chez Boiron en 2007 et j'ai évolué progressivement vers mon poste actuel de responsable du pôle produit où je manage actuellement près de 25 personnes. Je suis rentrée chez Boiron comme technicienne supérieure de laboratoire en 2014. J'ai intégré l'ADAR en 2021 en tant que coordinatrice et j'ai évolué très récemment vers un poste de chargée d'affaires réglementaire. Titulaire d'un master en biotechnologie, j'ai rejoint les laboratoires Boiron en 2011 et après 10 ans passés au sein du laboratoire de recherche, en 2022, j'ai rejoint les affaires réglementaires au sein du pôle projet. À la suite de mes études et de l'obtention de mon diplôme de docteur en pharmacie en 2007, j'ai intégré Boiron en tant que chargée d'affaires réglementaires et j'ai rejoint le pôle enregistrement en 2020, où je dirige aujourd'hui une équipe de 5 personnes. L'homéopathie m'a toujours parlé. Boiron était donc naturellement une entreprise qui m'intéressait et où j'avais envie de venir travailler. L'enjeu pour nous est d'appliquer et de s'adapter à la réglementation européenne et internationale pour le maintien sur le marché et le développement de nos médicaments et autres produits de santé. Notre service est incontournable. Le développement de tout nouveau produit nécessite une analyse de la faisabilité réglementaire. Aujourd'hui, mon métier consiste à faire le lien avec les autres pôles de la direction des affaires réglementaires, les différents services de l'entreprise et la direction. C'est Boiron qui m'a donné l'opportunité de tenter une mission de 4 mois au sein des affaires réglementaires. Depuis, je n'ai pas quitté ma nouvelle équipe. Je suis garante et responsable de l'avis de mes produits. Je rédige des dossiers en conformité avec la législation des pays où Boiron souhaite les commercialiser. Il y a un vrai esprit d'équipe, que ce soit avec mes collègues, mes managers, les autres pôles ou plus largement tous les services de l'entreprise. J'ai souhaité évoluer au sein de Boiron pour poursuivre mon engagement pour l'homéopathie, mais également pour rester dans un métier scientifique. Depuis 2022, mes missions consistent à évaluer le risque au sein des différents projets en développement du groupe Boiron. Je coordonne les échanges avec les toxicologues externes, mais également avec nos sous-traitants. Mon poste est donc très transverse. J'échange énormément avec de nombreux acteurs de l'entreprise. Nous devons être très au fait de la législation des pays que nous gérons. Une fois le dossier constitué, nous le déposons auprès des autorités compétentes locales. Nous suivons ensuite son évolution jusqu'à l'approbation. Nous avons un rôle de facilitateur. La richesse de Boiron, c'est la multitude de produits sur lesquels nous travaillons, ce qui rend nos activités variées et passionnantes. Chez Boiron, j'ai pu évoluer et découvrir un métier stimulant. J'ai osé et aujourd'hui, j'apprends chaque jour énormément au contact des autres. Faire grandir mes collaborateurs est ce qui m'anime aujourd'hui.